Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous mes abonnés vont bien. J'espère aussi que mes frères noirs du côté de la Tunisie essaient, tant bien que mal, d'avoir le moral et d'aller bien. Aujourd'hui, je ne ferai pas de transition. Je ne ferai pas d'introduction. Je vais aller directement. Je vais vous dire une vérité. Actuellement, je suis pris de colère. Je suis pris de rage. J'ai grossi le cœur. J'ai vraiment, vraiment gros sur le cœur. Parce que ce qui se passe en Tunisie me meurtrit, me fend le cœur. Pour toutes ces images qui sont en train de courir sur la toile là, c'est abusé. C'est de trop en fait. Est-ce que ces Tunisiens là, est-ce que ce dirigeant tunisien là, je veux pas dire président de la Tunisie, c'est qu'il a des ressortissants, il a beaucoup de ressortissants dans beaucoup de pays noirs. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il en a conscience? Parce que jusque-là, je regarde et j'arrive pas à comprendre. D'abord, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Vous n'êtes pas propre que les autres. Mais j'ai l'impression que pour vous, la race noire, c'est le déchet de l'humanité en fait. Si on veut rentrer dans l'historique, si on veut rentrer dans l'historique, si on veut rentrer dans l'histoire, vous serez les premiers frustrés. Parce que la réalité, c'est quoi? Je vais dire certaines choses, mais vous allez me comprendre. Vous allez me comprendre, je vous rassure. Vous êtes des envahisseurs. Je vais laisser le peuple arabe. Je vais parler de la Tunisie. Parce que, parlant de la Tunisie, s'il y a des racistes aussi, dans d'autres pays arabes, ils vont se reconnaître dans mes propos. Vous êtes des envahisseurs. Effectivement, il y a beaucoup qui ne le comprennent pas. C'est parce que les habitants noirs, les souches de l'Afrique, sont des êtres non xénophobes, sont des êtres non racistes. Sinon, vous, Tunisiens, vous êtes des envahisseurs. Avant que ces colons-là n'arrivent sur nos terres pour procéder à l'esclavage, ce peuple arabe, veuillez m'excuser, fut le premier à montrer l'exemple. Et bien, lorsqu'ils ont échoué, et bien, lorsqu'ils se sont vus matés par l'arrivée de l'Occident, ce sont eux-mêmes transformés soit en fuyards ou soit en esclavage. D'où vous verrez que le nord de l'Afrique est peuplé par ces frères arabes là. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, bien que je sois très en colère, je ne suis pas comme certains faisaient des vidéos à venir dire des grossièretés. Même si vous, peuple tunisien, vous le méritez amplement avec tout ce qui se passe actuellement sur la toile. Je ne peux concevoir que des personnes sensées puissent aussi lyncher leurs semblables. Parce qu'il y a la réalité, vous, vous estimant blanc, vous n'êtes pas de race blanche ou de peau blanche, vous êtes à l'origine noire. Si on ne vous dit pas, moi je vais vous le dire simplement ici. Je vais vous le dire, je vais vous choquer avec ça. Il faut respecter la peau noire. Parce que votre peau blanche, elle s'explique juste par l'absence de la mélanine dans votre organisme, c'est tout. Parce que c'est la mélanine qui nous permet de nous protéger des rayons X. C'est pourquoi le noir, il est plus résistant que vous. Le premier être humain est noir. Mettez ça dans votre tête. C'est le changement géographique et climatique qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des jaunes. Il y a des blancs, il y a des métis, et il y a nous les noirs. Donc si on ne vous dit pas, il faut qu'on vous refasse l'histoire pour comprendre que le noir c'est votre roi. Le noir c'est votre ancêtre. Vous n'êtes rien. C'est nous qui devions être très bien placés pour être aussi racistes. Parce que vous sortez de nous.
Mais, chose scandaleuse que j'observe personnellement, moi, c'est que mon dérivé, à la limite, mon dernier, comment je vais appeler ça? Je ne vais pas dire déchet pour être aussi vulgaire ou dur dans mes propos, mais je vais dire, ma dernière copie se permet de croire qu'elle est supérieure à moi. Parce qu'en fait, c'est ça. Le schéma en Tunisie, c'est ça. On nous avance des propos de violence, de nos frères noirs, chose qui m'étonnerait parce que le noir, c'est quelqu'un de très intelligent. Quand il va à l'extérieur, il va pour se chercher. Et quand un homme va à l'extérieur pour se chercher, il ne cherche pas à faire des histoires. Il cherche à venir prendre ou bien à venir se réaliser et souvent retenir celui à la maison. Le noir, je parle de la peau noire, est une personne hospitalière. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc arrêtez de nous distraire. Faut de reconnaître que je globalise certes, mais parmi ces barbares-là, il y a des exceptions, comme dans toutes choses d'ailleurs. Mais je me permets de les généraliser parce qu'on dit, lorsqu'il y a deux ou trois grains sales dans du riz, on nous dit ce riz est sale. Donc ce message est adressé à tout le peuple arabe, mais plus spécifiquement au peuple tunisien. Vous maltraitez vos dieux, vos rois, vos ancêtres. Par rapport à une supériorité que vous faites là, dans votre conscience en fait. Vous n'êtes pas mieux que le noir. On vous a menti. Vos pères, vos ancêtres, vos arrière-arrière-arrière, grands-pères vous ont menti. Vous venez du noir. C'est vrai que souvent dans certaines compétitions sportives, vous avez tendance à dire que vous ne jouez pas pour les Africains, vous ne jouez pas pour le continent africain, mais vous jouez pour le peuple arabe. C'est-à-dire que je suis mon continent, mais tu ne te reconnais pas en tant qu'Africain, tu ne te reconnais pas en tant que noir. Tu te reconnais en tant que membre du Proche-Orient, du Moyen-Orient. C'est scandaleux, mais ça passe sous silence. Nous sommes dans quel monde? Et ce qui est scandaleux, ce qui est même aberrant dans cette histoire, c'est que lorsqu'il y a des petites choses, on va dire, qui se passent dans certains pays, on voit nos instances africaines se dépêcher de prendre des sanctions ou de prendre des mesures drastiques souvent. Quand ces pays noirs là. Mais ils ont tellement développé ce complexe de supériorité blanc-noir que ces instances africaines là tardent même à réagir. Nos dirigeants africains qui font comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe en Tunisie en ce moment, afin de convoquer tous les ambassadeurs dans les pays pour leur dire que ça doit cesser et que le président tunisien devra faire un discours pour s'excuser. Sinon, ce qui est normal, la Tunisie devrait avoir des sanctions. Parce que c'est sa plus grande instance qui a sorti des propos aussi racistes à l'endroit du peuple noir. Comme s'il était dans un autre continent, comme s'il n'était pas africain pour sortir ce genre de propos-là. Il y a un adage qui dit, seules les vilaines personnes, les personnes laides, les personnes à la limite en griffe qui ne ressemblent à rien, font les vilaines choses. Et c'est pas faux. Le jour que j'ai vu l'image de ce président, là, j'avais dit, franchement, c'est de la frustration qu'il essaie de manifester depuis qu'il est président, ou bien c'est son complexe, parce qu'il n'est pas beau à voir. Lui, je peux me permettre de le dire, il n'est pas du tout beau à voir. Pour moi, c'est un frustré. C'est quelqu'un à qui Dieu n'a pas tout donné. La nature même n'a pas tout donné. Donc, ce complexe-là, il essaie de l'extérioriser sur le peuple noir. Parce qu'il faut être raciste depuis la naissance pour sortir ce genre de propos-là. Depuis que ces noirs-là sont dans vos pays, on n'a jamais vu un Tunisien venir se plaindre de un tel noir a fait ceci à un tel Tunisien, un tel noir a fait ceci à une telle Tunisienne. Ou bien une telle noire a fait ceci à un tel Tunisien, ou bien une telle noire a fait ceci à un tel Tunisien. Mais lorsque ça commence à capoter,
Lorsque ça commence à devenir scandale, on avance des arguments comme quoi c'est parce que nos frères sont noirs, sont violents, que les étudiants ont commencé à devenir violents. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Ces noirs-là vivent avec vous depuis belle lurette. Il y en a même de noirs d'origine tunisienne, c'est-à-dire qu'ils sont de nationalité tunisienne. Donc ce n'est pas un problème de peau. Cet esprit de racisme-là qui s'est réveillé en vous. Et comme vous savez que le noir est très intelligent, le noir arrive à facilement s'imposer et s'insérer dans la société. Le noir arrive à être premier dans toutes les choses qu'il entreprend. Vous avez peur. C'est un peu ce qui s'est passé, malheureusement, en Afrique du Sud. Et là, c'était pire. C'était un noir et noir. Il faut arrêter. Je pense que ce qui se passe en Tunisie doit s'arrêter. Parce que si chaque peuple veut commencer à commencer cette chasse à l'homme-là, je pense que ça ne va pas vous arranger. Moi, ce que je veux que vous reteniez, vous n'êtes pas mieux qu'un autre peuple noir. Faut que ce soit clair dans votre tête. Parce qu'à la base, vous êtes des envahisseurs. C'est pourquoi quand vous dites que vous jouez pour le peuple arabe ou bien vous reconnaissez au peuple arabe, ça ne me choque pas. Ça ne me dit absolument rien. Parce que vous avez effectivement raison. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le premier continent qui a vu, on va dire, la présence d'un homme. Et il était noir. Toutes ces peaux claires autour là sont des envahisseurs. Il faut qu'on vous le dise. Arrêtez de faire chier le monde. Mettez un peu de sérieux dans ce que vous faites. Mettez un peu de sérieux dans ce que vous faites, s'il vous plaît. Ça va continuer jusqu'à quand? En fait, ce que beaucoup ignorent, c'est que cette maltraitance-là, elle existe depuis belle lurette. Il y a longtemps qu'elle existe. Mais comme c'est devenu de trop, et comme on dit Dieu ne dort pas, le chef, le sommet de l'État, l'a déclaré ouvertement. C'est-à-dire, a donné 4 livres à ses ressortissants de traquer, de maltraiter, de tuer, de blesser, de frapper tous les résidents noirs sur les territoires. Comme si on était en Europe. Bien que je ne justifie même pas la barbarie de ces Européens aussi face à nos migrants. Mais tu ne peux pas être sur le continent africain et te comporter comme si tu étais sur une autre planète. Je suis désolé. Là, donc, dites-moi, de vous à moi, vos ambassadeurs, là, ils foutent quoi dans les pays noirs? Vos ambassadeurs foutent quoi dans les pays noirs? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le noir, c'est votre chef. La réalité, c'est ça. Je vous le dis, chers abonnés. Ils savent que le noir, là, c'est le chef. Vous êtes nos dérivés. Vous êtes nos résidus. Il faut arrêter. Comme je le disais en début de vidéo, je ne sais pas insulter. Sinon, normalement, cette vidéo-là devait être faite d'injures. Où je vous insulte du sommet de l'État jusqu'au dernier citoyen tunisien. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Peut-être que les autres races, mais pas que cette peau-là. Parce que pour rigoler, un de nous, celui connu de tous, vous a montré que moi, je peux décider de devenir comme vous. Quand vous regardez ce beau visage-là, s'il devient blanc, il sera encore plus beau que vous-même qui êtes blanc actuellement. Michael Jackson, il avait un gros nez. Il était de peau mate, c'est-à-dire noire. Il est devenu plus que blanc. Mais vous, si on vous met au fou, vous n'allez pas devenir noir. Vous allez cramer. Parce que le sang s'inverse. Ça ne peut pas exister. Mais moi, je peux devenir comme vous. Donc je suis 10 millions de fois mieux que vous, supérieur à vous. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça. On voit tout ce qui se passe. Et
Et si jusqu'au prochain jour, il n'y a pas de changement, je pense que chaque peuple va faire ce qui l'arrange. Et on verra si ça vous fait plaisir. Parce que vous, quand un seul d'entre vous est touché, je ne dis même pas est mort, est touché, vous êtes scandalisé. Parce que vous serez tellement supérieur aux autres. Mais quand il y a des milliers, des centaines de noirs qui sont maltraités dans vos pays, c'est chose normale. Parce que pour vous, le noir, c'est rien. Je m'arrête là. J'espère que vous m'avez entendu. Bande de racistes.